Oui, c'est ça. Christelle Claude et Thomas. C'est ça. C'est ça, il est réalisé. Bravo. Et vous, c'est Maxime. Maxime. Notre partenaire Groupama et on en parlera dans quelques secondes. Pour organiser une grande tombola aujourd'hui à l'occasion de ce match, le ticket est à 2 euros et vous pouvez gagner de nombreux lots. Et la question que tout le monde se pose, eh bien, qu'est-ce que le syndrome de Rett et bien Isabelle de Groupama va répondre à cette question. Bonsoir les filles. Bonsoir tout le monde. Donc elle s'en excuse et je vais essayer de la suppléer au mieux. Donc je suis référente de la Fondation Groupama dans l'Oise. J'ai mon binôme qui est également dans le coin, dans les tribunes, Madame Jocelyn. Et la Fondation Groupama, en fait, elle lutte contre les maladies rares. Dans cet objectif, nous aidons les associations qui visent les maladies rares. Cette année, nous avons décidé de soutenir l'Association française du syndrome de Rett. Alors cette association, elle a été créée en 1988. Ce syndrome de Rett. Alors, le syndrome de Rett, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie rare d'ordre génétique qui se développe chez un très jeune enfant et principalement la fille, et qui provoque un handicap mental et des atteintes motrices sévères. Il faut savoir que c'est la première cause de polyhandicap chez les filles d'origine génétique en France. Il y a 50 nouvelles personnes qui sont touchées par cette maladie chaque année. Alors il faut savoir qu'actuellement il n'y a pas de traitement curatif et adapté malheureusement. Et c'est pour ça que l'Association française du syndrome de Rett finance 11 projets de recherche et soutient les familles en les aidant notamment à acheter du matériel adapté, en mettant en place des rencontres régionales et des groupes de discussion et bien d'autres actions. Donc la tombola de ce soir, elle a pour but de récolter des fonds pour cette association pour l'aider à faire avancer la recherche sur cette maladie, à informer le public sur le syndrome de Rett et soutenir les familles, bien sûr. Donc je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire expulser tout terrain. Si vous avez besoin de plus d'informations, nous avons des flyers dans notre stand. Et bien sûr, je vous remercie de votre soutien. Merci à Chambly qui a permis que cet événement puisse se faire. Et surtout, bon match. Merci Isabelle, c'est brillant de parler comme ça. Et je vais juste vous demander de me tenir le micro deux secondes parce que parmi les lots, il y a cette toute nouvelle écharpe du FC Chambly à gagner. La voici. Voilà, la toute nouvelle écharpe du FC Chambly à remporter avec donc signé Groupama. Merci. Donc vous pourrez avec la tombola remporter cette écharpe. Et donc, eh bien, à côté de moi, eh bien, c'est Christelle qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants pour un vote fictif. Accompagné de Claude son papa et de Thomas son frère. Alors juste avant qu'elle donne le coup d'envoi, elle est devant la tribune d'honneur et donc là je pense qu'elle est impressionnée. Je veux que toute la tribune d'honneur et tout le stade Volta Luzzi fasse du bruit pour Christelle. Et donc, on m'a donné un texte à lire pour tout vous dire. Le voici, voilà, ce week-end donc se déroule les journées de l'arbitrage, la poste du nouveau placé sous les signes du recrutement et de la fidélisation. La poste renouvelle son engagement au niveau national en accompagnant les clubs dans la promotion de l'arbitrage pour que le sport de compétition. Faites du bruit pour les joueurs du FC Chambly.
notamment la mémoire de Dominique Bernard, professeur de français, assassiné à Arras, mais aussi des deux supporters suédois tués à Bruxelles et de toutes les victimes civiles innocentes en Israël et en Palestine. Nous vous demandons de respecter une minute de silence absolu. Merci. C'est numéro 32.